Bah, c'est super, elle s'intègre bien cette console. Ah là, vous êtes à 90 cm. Mais ça, c'est parfait, c'est la hauteur d'un plan de travail. La vraie question, c'est comment allons-nous la fixer? Et pour ça, il y a plusieurs solutions, je vous montre ça en bas. Ok. La première solution, c'est la plus simple, c'est un crochet qui vient s'insérer comme ça dans la matière. Ah bah c'est bien ça, une solution facile. Il y a quand même un petit inconvénient, c'est qu'en général on utilise cette méthode avec un bois dur, parce que la résistance de la matière au niveau du crochet doit être importante, et là le MDF pêche un petit peu. Bon d'accord, donc ça c'est pas une solution pour nous, la suivante. La seconde, c'est une crémaillère sur laquelle vient se mettre une vis, alors ça a l'avantage de pouvoir être réglée latéralement, par contre on l'utilise en général pour des objets plus légers. Bon, bah il reste plus que la dernière. Oui, et je vais vous montrer comment elle fonctionne, mais sur notre console. Et donc les petites plaquettes vont venir se placer sur les montants verticaux. Exactement, avec la serrure retournée pour que la vis puisse venir se coincer. Coincer, plus bouger. Première étape, prendre les dimensions. Il faut évidemment que les deux petites plaquettes soient à la même hauteur. Parce que sinon... Donc on va tracer le dessus et le dessous. Et on va se faire un petite référence également pour les côtés. Et voilà. Deuxième étape, la défonceuse. Qu'il faut régler au poil près. Ouais, ça rentre. Super. Ça, c'est la vis qui va dans le mur. Tout à fait. Ça, c'est la plaquette qui vient s'intégrer. Alors là, l'espace pour la tête de vis, il est où? Eh bien justement, je vais refaire un petit trou avec la défonceuse pour laisser un passage pour la tête de vis. Donc, étape défonceuse, pas encore terminée. Bientôt terminée. On les met ces petites plaquettes? Oui, avec des vis de 50 mm pour que notre console soit solidement fixée. Mais on va d'abord préforer pour éviter que le MDF éclate. D'accord. Fin de l'étape? Maintenant, on va en haut pour fixer la console. Hop. Alors, on a des doutes? On vérifie mon traçage? Bien, je crois qu'il vaut mieux vérifier deux fois. Eh bien, vous avez bien raison. Et en plus, vous savez quoi? Si on se trompe, je préfère qu'on se trompe tous les deux. J'assumerai. Ça me rassure. Bon, vous êtes sûr de la vérification de mes mesures? Et vous, vous êtes sûr? Oui, ça va. Oui. Alors, on est sûr. Allez, on y va. Et là, on a choisi de longues vis pour que ça tienne bien. Suspense. Ayez confiance. Est-ce que ce n'est pas parfait? Alors, c'est exactement ce que j'espérais. Ah, moi aussi, c'est génial, c'est super pratique, vous avez tout à fait raison. C'est, ah oui, mais non. C'est super. Non, mais alors là, vous rêvez en couleur, tout ça, c'est neat, net. Mais enfin, mes petites affaires. Ah non, à la semaine prochaine. Pour d'autres trucs, ma scie sauteuse non plus, alors. Non plus. Ah bon, non plus.